Les garde-temps que réalise Global Forces sont tout simplement dans l'exécution, dans la création, dans le développement, dans la terminaison, sont tout simplement à un niveau qui est vraiment difficile à communiquer finalement, tellement que le niveau est élevé. Mon nom est Antonio Calce, je suis le CEO et board member de Global Forces depuis une année. Nous avons mis en place une organisation avec Robert Grubel qui est président du board et Steven Forces qui travaille toujours comme spécialiste horloger évidemment dans la société. C'est absolument quelque chose d'unique dans une vie, hein, quelque part. On a rarement des nouvelles marques qui se créent et qui aujourd'hui se positionnent à ce niveau où tous les ingrédients pour la pérennité sont réunis. Robert Grubel, lors de la création de Global Forces, voulait offrir quelque chose de très différent à un niveau quasiment inégalable. Nous créons quelques centaines de pièces par année, donc c'est de la très 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 haute couture. À cela s'ajoutent aussi des pièces totalement faites main. Hein, c'était l'idée de Robert Grubel était de créer une montre qui serait commercialisée et qui serait entièrement faite par la force du poignet. Donc nous effectuons aussi des pièces à plus de 95% fait main, le spiral est fait main, le balancier est fait main. Global Forces, depuis 2004, c'est 7 innovations, c'est plus de 30 calibres développés. On est de nouveau dans quelque chose de difficilement communicable. Il faut voir, toucher, c'est de l'art appliqué.